Direction l'Amérique du Nord pour débuter cette émission, la terre des Navajos, dont les membres sont répartis sur les états de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et de l'Utah aux États-Unis. Un chant de cette tribu amérindienne dont vous, Jean-Pierre Sergent, artiste peintre, avez fait l'acquisition au National Museum of the American Indian de New York. Alors bonjour tout d'abord. Oui, bonjour. Bonjour, cher Aurélien. Vous allez bien ? Bonjour à tous. Ouais. Oui, oui. Alors, expliquez-nous justement, finalement, ce que vous ressentez. Tiens, on va aller sur du ressenti quand vous écoutez ce genre de musique. Eh bien, écoute, ça me plonge vraiment dans une joie et une espèce de connexion cosmique indicible. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils appartiennent au monde, à la nature, et qu'ils sont, remplis d'énergie. C'est cette énergie qui m'intéresse vraiment. Oui. Et c'est aussi c'est très apaisant également. Et c'est une communauté qui chante, ils chantent tous ensemble. Ils appartiennent à la même tribu, entre guillemets. Alors, vous êtes donc artiste peintre franco-américain, né à Morteau. Vous avez étudié l'architecture à Strasbourg, la peinture à l'École des Beaux-Arts de Besançon. En 1991, vous traversez l'Atlantique direction Montréal tout d'abord, puis New York, deux ans plus tard, ville dans laquelle vous êtes resté 10 années, hein, je crois, vous m'avez dit ça tout à l'heure, et dans laquelle d'ailleurs votre travail a commencé sur les objets trouvés, les peintures, sculptures et les sérigraphies sur plexiglas. Vous habitez aujourd'hui à Besançon, et une exposition temporaire vous est consacrée, les quatre piliers du ciel, donc au Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, où nous sommes en direct, nous, Radio Campus Besançon. Donc c'est une grande installation murale, 80 mètres carrés, 72 peintures sur plexiglas de format unitaire carré, on en reparlera, ça a son importance, sont donc installées dans les grands escaliers du musée, et impossible finalement de passer à côté lorsqu'on est un visiteur. Donc pour revenir aussi au chant qu'on écoute actuellement derrière cette entrée, bon, vous m'avez soumis plusieurs titres, plusieurs musiques. J'ai choisi celle-là parce que finalement c'est une indication aussi sonore de vos influences, de votre processus créatif, des chants qui aident aux visions et aux songes, des chants chamaniques de transe, d'incantation. Et ces vibrations, justement, elles respirent dans vos œuvres, dans votre travail, qui met en jeu le corps, la spiritualité et la jouissance d'être en vie. Donc je l'ai dit, on est venu ici donc, à l'invitation du Centre d'art mobile et du Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie pour cette émission spéciale, qui s'inscrit dans le cadre des nocturnes proposées par le musée. Donc autour du plateau, évidemment, Jean-Pierre Sergent vous a entendu. Nicolas Bousquet est à nos côtés, responsable du développement culturel des musées du Centre. Bonjour. Bonsoir Aurélien. Et bonsoir d'ailleurs, on pourrait dire. Effectivement, Louis Ucciani, directeur du Centre d'art mobile, et maître de conférence à l'Université de Franche-Comté. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, tout le monde ? Oui, parfaitement. Prêt pour cette nouvelle nocturne. Et puis, le plateau sera complété plus tard par Alexis Le Corollaire et Amélie Perardeau, nos deux journalistes qui viendront chacune poser leur regard sur votre travail à leur façon. Surprise. Des étudiants également de la licence pro métier de l'exposition et technologie de l'information viendront aussi nous parler de leur travail et puis de cette dimension de l'installation et de l'accrochage. Donc voilà, on a écouté cette première intro. Je voulais aussi qu'on écoute également une interprétation de Bach de Glenn Gould pour parler aussi de cette fameuse énergie vitale que l'on peut chercher lorsque l'on crée. Sergent, vous écoutez justement cette musique quand vous êtes dans votre atelier ?
Pas quand je travaille, parce que je suis trop concentré, vraiment, je ne peux pas faire deux choses à la fois. Mais je connais Glenn Gould depuis des années. Et quand on parle d'énergie, pour moi, je sens que l'Europe a perdu son énergie, mais Bach, il a l'énergie. L'énergie du cœur, l'énergie de la joie. Et c'est vraiment quelque chose qui me remplit et qui me donne envie de vivre. Il n'y a pas d'autre mot. Et dans cet extrait, on l'entend qui cherche les notes. Et on entend des fois des mouettes qui passent. Et il crie ou il jouit quelque part. C'est vraiment une jouissance d'être créateur. Vraiment. C'est ce que je ressens également quand je travaille. Alors ça se passe comment justement ce processus créatif chez vous ? Mais je cherche et je trouve des images. Quand j'étais à New York, avant qu'il y ait les ordinateurs, je prenais des photos dans les musées. Bon, sauf que maintenant, avec l'Internet, on a accès à une grande banque de données. Et donc, sur Twitter, des fois, je trouve des images, par exemple. Ça peut être d'Égypte, d'autres cultures. Et dès qu'une image me parle, je la garde en stock. Et au fur et à mesure des années, je travaille maintenant avec des images que j'ai faites il y a 10 ans, déjà. J'ai travaillé il y a 10 ans, et puis ben, il se trouve qu'à ce moment-là de l'honnêteté, j'ai envie d'utiliser cette image. Et j'ai travaillé avec Illustrator, Photoshop sur mon ordinateur. Alors pour revenir ici à ce que l'on peut voir, comment avez-vous abordé justement cette installation ? Je crois que c'est l'une des plus grandes que vous avez jamais réalisées. Oui, tout à fait. Ben, c'est grâce à Nicolas Surlapierre, qui est le conservateur de ce musée, avec lequel on devait travailler déjà depuis plusieurs années, et qui m'a dit « Tiens, ce serait bien que tes œuvres viennent décorer, entre guillemets, habiller les couloirs du musée. » Et ça a été un peu reporté, puisqu'il n'y avait pas de budget, mais on l'a fait l'an dernier, justement à cette date-là, il y a un an exactement. Et je dois remercier tous les techniciens qui ont travaillé plus d'un mois sur ce projet, parce que c'est compliqué à monter. Mais j'ai choisi les images en fonction de cette idée d'élévation, puisque dans chaque tribu, il y a un lieu qui s'appelle l'Axis Mundi, où les gens peuvent parler aux esprits. Donc, bien humblement, j'espère parler aux esprits. Mais bon, est-ce qu'ils existent encore ? C'est une autre question. Ah bah, vu la résonance du lieu, là, ça s'y prête en tout cas. Oui. On est vraiment dans quelque chose d'acoustiquement très intéressant. Alors, au premier regard, oui, c'est coloré. Il y a des motifs ethniques qui s'inspirent des divinités. Peut-être que Nicolas Bousquet et Louis Ucciani peuvent aussi compléter la suite. Quand finalement, au-delà de ce premier regard, qu'est-ce qui nous apparaît ? Alors, pour dire un mot, cette présentation de l'œuvre de Jean-Pierre s'inscrit dans une politique des musées qui donne à voir et à redécouvrir leurs collections au travers du travail de différents artistes contemporains. Et évidemment, les œuvres de Jean-Pierre résonnent particulièrement dans nos murs par rapport à différents aspects de nos collections. On a des collections archéologiques qui remontent aux civilisations antiques. Nous avons des collections extra-européennes aussi, même si elles ne sont pas exposées en permanence, même si on peut en voir quelques-unes actuellement dans une exposition autour de Monin. Nous avons des œuvres érotiques, puisque c'est aussi une source d'inspiration forte pour Jean-Pierre. Et concrètement, nos espaces ont vocation à accueillir des travaux d'artistes contemporains. On y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais cette installation, les quatre piliers du ciel, viennent compléter les éléments décoratifs de l'architecture du musée, qui est un peu austère pour sa partie du 19e siècle. Les escaliers qui ont été conçus par un architecte, d'inspiration néoclassique, qui s'appelle Pierre Marnotte. Cet architecte prévoyait tout un ensemble décoratif dans les parties communes du musée, des éléments évidemment de frise, des colonnes, des peintures murales, comme on peut en voir dans de nombreux musées de cette époque-là, comme à Marseille, Amiens, Nantes. Mais à Besançon, finalement, il n'y aura pas eu ce décor peint ou ce décor rapporté sur le bâtiment, faute de budget à l'époque. Marnotte en avait pris particulièrement ombrage, et donc quelque part on vient réparer une sorte d'injustice faite à ce créateur, à cet architecte, en venant inviter Jean-Pierre
à exposer donc ses œuvres dans cet escalier. Et donc, évidemment, la notion d'ascension est forte, elle résonne par rapport au travail de l'artiste, par rapport à la symbolique religieuse, mythique, cosmologique qu'on peut y retrouver, mais aussi elle vient rapporter une dimension colorée, une énergie, comme disait Jean-Pierre juste avant, qui est aussi celle d'un musée qui se transforme, qui a changé son image au moment de sa réhabilitation. On se veut un musée aujourd'hui en lien avec les problématiques de notre temps, des problématiques sociétales, et on souhaite aussi effectivement capter et transmettre cette énergie à nos visiteurs pour qu'ils redécouvrent toutes nos collections avec un œil nouveau et peut-être plus inventif qu'il pouvait être précédemment en faisant la visite du musée. Alors c'est vrai que ça fonctionne bien, quand on arrive par le grand escalier, on voit le ciel déjà, byzantin, et on est quand même saisi par, par la dimension assez importante de cette œuvre-là, qui vient tout de suite finalement nous prendre en pleine face, j'ai envie de dire. Alors ces 72 peintures qui ont été choisies parmi une série que vous avez réalisées entre 2010 et 2015. Alors comment on choisit justement ? Entre nous, on a quand même choisi des œuvres peu érotiques parce que on voulait pas poser trop de problèmes ni au musée ni à la ville. Ça sert à rien de provoquer une polémique. Mais ça ne me dérange pas parce que j'ai un stock de peut-être 300 peintures, donc il n'y a pas de souci. Et je les ai choisies en fonction des directions aussi, nord, sud, est, ouest. Je suis vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis très influencé par l'axis mundi et les quatre directions, puisque c'est là où on se centre nous-mêmes et c'est le lieu de passage. Donc ces escaliers sont un lieu de passage quelque part. Comment vous faites pour vous centrer, vous ? Connais-toi toi-même déjà, je pense qu'il faut déjà se connaître, se débarrasser de beaucoup de choses, parce qu'on a plein de poussière dans la tête, quelque part, c'est pas sous le tapis, c'est dans la tête, s'ouvrir des cases, et souvent, c'est même pas des cases qu'il faut ouvrir, c'est vraiment essayer de penser autrement. Je pense que nous autres artistes, nous avons pour quelques-uns la liberté de créer un peu notre voix. Bon, je suis un peu prétentieux de dire ça, mais j'ai l'impression que c'est ce que je cherche quelque part. Je déteste être enchaîné, je déteste les soumissions, et j'essaye de trouver au travers d'une structure très carrée, très calée. Mes formats sont tous les mêmes, 1,05 par 1,05. Alors c'est des formats qui ne sont pas anodins. Oui, vous voulez qu'on y revienne plus tard. Oui, on en a parlé en off. Donc il se trouve que j'ai travaillé sur ce format là pendant plusieurs années, depuis Montréal. Et un jour, je me suis demandé pourquoi 1,05 m. Et en fait, c'est le nombre d'or de mon corps. C'est-à-dire que dans le corps, Le Corbusier, qui parlait, ou les Grecs parlaient du nombre d'or, il se trouve que c'est un 618. Et quand je fais un 72, et il se trouve que mon nombril est exactement 1,05 m. Donc mon corps a trouvé ça, comme les abeilles ont trouvé l'hexagone. C'est un acte organique, quelque part. J'aime cette idée de travailler avec le corps, que le corps soit le maître de ce qu'il fait. Alors comment vous faites justement quand on glane des images, on va dire, à une période où le numérique ne s'est pas imposé, c'est-à-dire qu'il y a quelque part le corps est investi, enfin j'ai l'impression, vous visitez des lieux, vous prenez une photo, il y a un rapport physique. Quand on passe de cet axe de travail-là à un axe de travail numérique, est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Est-ce que vous ne perdez pas une dimension justement corporelle ? Non, parce que je le retrouve dans la sérigraphie, parce que la sérigraphie est très corporelle, c'est-à-dire que physiquement on va au turbin. Les écrans, quand je fais des grands formats plexiglas, c'est très très physique. Donc il y a toute cette étape physique, on le voit dans les petits formats, il faut nettoyer des écrans, les exposer, donc mon corps est toujours présent quand je travaille, c'est pas uniquement l'ordinateur. Alors Jean-Pierre Sergent est un artiste contemporain, justement qu'est-ce que ça change pour vous, musée qui avait réouvert vos portes en novembre 2018, après 4 années de gestation de ce nouveau projet, c'est pas forcément un axe de travail habituel, l'art contemporain, pour vous. Comment finalement la présence de Jean-Pierre s'inscrit dans cette nouvelle politique ? Disons que les artistes contemporains ont toujours été présents au Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie. On a la chance d'être sur un territoire avec une école des Beaux-Arts, avec de nombreux créateurs. Simplement, on a changé un petit peu la manière de concevoir l'inclusion de l'art contemporain dans nos collections. On a repensé complètement les parcours de manière
chronothématique, avec un parcours qui commence donc au paléolithique pour s'achever avec l'art moderne. Et tout au long de ce parcours, on a voulu donner des contrepoints, des points de vue décalés, alors de différentes manières, mais la manière la plus pertinente en tout cas, était d'inviter des artistes à présenter des œuvres en lien direct avec nos collections. Donc l'idée était de ne pas forcément avoir une présentation permanente, puisque nous partons sur des présentations qui durent plus ou moins une année. Donc nous sommes entrés là dans nous sommes quasiment à la fin de notre deuxième année de fonctionnement. Donc il y a eu une première installation d'œuvres contemporaines qui s'appelait Et le désert avance pour l'inauguration et qui s'est achevée avec le premier anniversaire du musée. Nicolas Surlapierre, qui est le directeur des musées du centre et qui est aussi un spécialiste d'art contemporain, donc met en place ces accrochages avec cette temporalité, de manière à ne pas lasser le regard de nos visiteurs et toujours aiguiser leur curiosité. Cette première installation, on y reviendra peut-être, mais faisait la part belle, on va dire, à de nombreux jeunes créateurs. En quelque sorte, c'est la vocation du musée que d'aider les jeunes artistes aussi à se lancer et à exposer. Mais on a aussi beaucoup de plaisir à accueillir des artistes reconnus nationalement, internationalement, comme Jean-Pierre Sergent. Et donc, pour le deuxième accrochage, autour de la notion de rien à voir, ou comment voir les choses différemment. Évidemment, on a choisi d'inviter six artistes, deux hommes, deux femmes et puis deux disparus. Alors, évidemment, ce choix était un petit peu guidé par l'envie de faire dialoguer nos collections avec des artistes de la région. Donc, nous avions invité Claudie Floutier, Barbara Dasnois, mais aussi nous avions invité Didier Marcel et Jean-Pierre Sergent pour les vivants, mais aussi deux artistes de la région incontournables et pas forcément suffisamment remis à l'honneur dans le musée le plus important de la région, à savoir Jean Messager, dont hélas nous ne possédons pas d'œuvres dans nos collections, mais qui méritait quand même d'être exposé à un moment donné dans le musée, et puis Jean Ricardon, qui était aussi un artiste très, très important. Donc nous avons fait cette installation qui va s'achever d'ici quelques semaines pour le deuxième anniversaire du musée, où là nous aurons un nouvel accrochage qui va changer. Par contre, l'œuvre de Jean-Pierre Sergent, donc Les quatre pliers du ciel, va rester un petit peu plus longtemps dans le musée, puisque Jean-Pierre nous fait le plaisir et l'honneur de nous en faire profiter encore un peu plus longuement. C'est vrai que c'est une pièce qui a trouvé sa place dans nos escaliers, mais évidemment, comme nous n'avons pas forcément des moyens d'acquisition suffisamment importants pour la faire à l'acquisition de manière définitive, eh bien, nous l'exposons autant que nous pouvons. Mais en tout cas, c'est vraiment une autre manière d'exposer l'art contemporain que d'avoir ces rotations annuelles, de manière à pouvoir toujours renouveler le regard porté par les artistes sur nos collections et aussi échanger avec nos visiteurs la manière de concevoir ce qu'est un musée, c'est-à-dire c'est pas un lieu avec une exposition, comme le disait le visiteur que vous avez interviewé, qui est figé, mais les expositions changent, les expos permanentes comme les expositions temporaires. On y reviendra peut-être tout à l'heure sur notre prochaine exposition temporaire, mais en tout cas, le travail de Jean-Pierre a trouvé sa place pour un temps au musée, et nous en sommes très heureux. Jean-Pierre Sergent, c'est important, oui, pour vous, et qu'est-ce que ça change finalement que d'être exposé ici au Musée des Beaux-Arts ? Eh bien, j'en suis très heureux et très honoré, parce que ça fait quand même 15 ans que je suis rentré de New York, et je trouvais que c'était un peu difficile justement de montrer son travail, parce qu'il y a très peu de lieux consacrés à l'art contemporain en Franche-Comté, où ces lieux sont assez fermés pour des raisons X, Y ou Z. Et c'est une rencontre avec le directeur Nicolas Surlapierre. Ça a bien marché, il a un peu flashé sur mon travail. Et pour moi, c'est vraiment une chance
extraordinaire, oui. Alors on a parlé vibration, énergie déjà, oui. Et il y avait une question forcément qui arrive, et puis ça me faisait penser alors peut-être à un des partenaires du Musée des Beaux-Arts, qui est l'Institut supérieur des Beaux-Arts, qui a quelques années proposé une exposition à Narbonne, à l'Aspirateur, à laquelle vous avez participé, je crois bien. J'espère, non, peut-être pas. À l'Aspirateur. Oui, oui, tout à fait, oui, voilà, oui, 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 bien sûr. Oui. Et donc, c'était un triptyque finalement, et il y avait une des questions qui était posée. C'était l'art est-il chamanique ? L'artiste est-il un chaman ? L'artiste est-il un oui, chaman oui, oui, oui. Voilà. Donc, finalement, on voit que qu'il y a quelque chose autour de ce duo. J'ai envie de dire, on ne sait pas. Lequel nourrit l'autre, mais vous, justement, à cette occasion-là, qu'avez-vous voulu montrer? De l'exposition à Narbonne, à Narbonne. Oui, mais en fait, c'est Laurent Deves qui est un ami, qui est directeur de l'École des Beaux-Arts, et tous les artistes présents montraient plus ou moins des travaux chamaniques, de transe. Et bon, forcément, c'est ce qui me passionne, on en a déjà parlé. La transe me passionne parce que c'est accéder à autre chose, et c'est oublier un peu le corps, et retrouver sa plénitude et sa spiritualité, quelque part. Le chamanisme, c'est ce qui permet de retrouver sa spiritualité au sens premier du terme. Un peu comme quand on est, on a cette expérience de la vie. Quand on meurt, bon, on ne s'en rappelle plus. Mais bon, peu importe, c'est pas très grave. Oui, ce sont des expériences vitales. L'art, c'est une expérience de vie, bien sûr. Alors, Louis Ucciani, on a l'habitude de travailler ensemble, notamment autour de Fourier. Et ce que j'apprécie chez vous, c'est que finalement, il y a toujours une dimension Fourier quelque part. Est-ce que, par exemple, il y aurait un lien à trouver entre Jean-Pierre Sergent, le travail de Jean-Pierre Sergent, et la philosophie de Fourier ? Oui. Mais sur ce qui n'est pas forcément... Oui, mais sur ce qui n'est pas forcément présent et visible dans cette exposition-là. Je vais revenir sur une chose. Il se trouve qu'il y a 15-20 ans qu'on travaille, enfin qu'on se rencontre à Besançon dans les lieux d'art, et j'étais content d'avoir monté une des premières expositions sur les rapports, enfin sur le lien entre Paris, enfin entre la Franche-Comté et New York, et donc on avait travaillé à ce moment-là ensemble. Ce lien Franche-Comté-New York, il faut savoir qu'il est éminemment porté par Charles Fourier. Hein, et que Fourier est parti d'ici, il est resté en France, mais ses disciples sont partis aux États-Unis, de nombreuses communautés sont nées aux États-Unis de Fourier, et notamment, ça va être un travail qu'on va faire pour cette année, notamment le Chelsea Hotel, qui est le lieu des artistes, oui, a été créé par un disciple de Fourier. Donc là, dans l'esprit fourieriste. Donc voilà, le lien est là. Et l'autre lien, donc effectivement, c'est l'érotique dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais moi, je vois une chose. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Dès finalement les Navarro et Glenn Gould, finalement, on se rendait compte qu'ils font le même métier. Ils sont au même endroit de la création, à la recherche, dit Jean-Pierre Sergent, d'un esprit qui ne serait peut-être plus là, en tout cas qui apparemment, d'après lui, a complètement déserté le monde où nous sommes nous. Ce qui fait que c'est en tant que philosophe que j'aborde son travail, parce que je ne sais pas comment l'aborder. On en a parlé quelques fois, mais très difficile à qualifier. C'est pas de la peinture, c'est pas de l'installation à proprement parler, c'est un mode de représentation, d'un monde qui n'est peut-être pas là, qui n'est peut-être plus là, et qui est en train de se constituer. Et de voir ces choses se plaquer sur le plexi, qu'est-ce qu'on voit se plaquer ? On voit se plaquer la confrontation, j'appelle ça, enfin, je vais dire plutôt ça sous une autre forme, cet art est pour moi un art anthropologique, et non pas ethnographique. D'ethnographie, il va utiliser des éléments ethnographiques, des images qu'il trouve un peu partout dans notre société à nous et dans les sociétés passées, et il les compresse. On a l'impression que
l'ethnographie, c'est-à-dire le vécu, cet esprit des sorciers qui a peut-être disparu, est figé dans l'anthropologique, qui est la science d'aujourd'hui. Les discours qu'on tient tous sur le passé, et que l'esprit n'y passe plus. Et le travail que semble faire Jean-Pierre Sergent, c'est de créer la trame qui pourrait faire passer quelque chose à travers. Alors ce quelque chose, bon, oui, il en parlera peut-être tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que cet esprit. Merci. Alors, il est 19h25 sur Radio Campus Besançon, on va faire une pause musicale. Je rappelle, vous pouvez nous écouter sur la fréquence 102.4 ou sur le www.campusbesançon.fr.